À 11 ans, Georges-Antoine Balamo vient de décrocher le prix d'excellence nationale du meilleur élève au concours d'entrée en 6e. Avec une moyenne constante supérieure à 19 sur 20 durant son parcours scolaire, il remporte ce prix avec une moyenne pondérée de 19,56 sur 20. À sa suite, Eva Maëlys Akandan, 15 ans, remporte, elle, le prix national du meilleur élève au BEPC avec plus de 18,30 sur 20. Othniel Goran lui arrache le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Premier de tous les trimestres de sa classe de terminale, il obtient le bac avec une moyenne de 17,85 sur 20. Ce mardi, au palais présidentiel, dans cette célébration de l'excellence, la jeunesse était à l'honneur. Laurence Nguessan, prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, salue d'ailleurs cette reconnaissance de l'État. C'est une fierté nationale d'être reconnue pour son travail dans sa filière, le développement du capital humain en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est une grande joie, une reconnaissance, mais surtout un grand challenge parce qu'il reste beaucoup encore à faire et il faut relever les défis. Avec elle, Akouba Angola, prix du meilleur restaurant. Dabali Express est une jeune chaîne qui a aujourd'hui seulement 2 ans. Et nous voir être reconnus nationalement par le président de la République, franchement, c'est un coup de boost qui nous montre qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie, et qui va nous encourager vraiment à faire encore plus et à maintenir ce prix-là. Parce que notre ambition, ce n'est pas seulement d'avoir ce prix cette année, c'est de l'avoir l'année prochaine, de l'avoir l'année suivante, d'avoir encore 3 prix même d'affilée, de faire la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Des jeunes qui osent de plus en plus et qui, portés par la volonté d'excellence du gouvernement ivoirien, entendent aller toujours plus haut.